สบายดีบอยสบายดีสบายดีอยู่สบายดี Voilà donc je vais vous montrer un peu la chambre on est arrivé à Pimaï et je vais vous faire un peu voir un peu la chambre que vous aurez avec Eritreland pour visiter Pimaï en premier lieu ce que j'adore le plus c'est la vue de ce voilà regardez voilà j'attends que ça zoome bien comme il faut donc le balcon et vous avez la vue pas sur le Mekong mais sur un fleuve automatiquement hein. Donc voilà votre vue ce que je regrette beaucoup ici c'est que dans le balcon il n'y ait pas une table et des chaises voilà c'est la seule chose que je dirais que c'est négatif sinon le lit est nickel donc vous avez ou grand lit comme ça avec le courant électrique pour vos téléphones voilà bien sûr la lumière vous avez aussi une chambre avec deux lits hein, pour ceux qui vont venir à deux ou alors voilà vous avez compris ici vous avez les meubles donc c'est pas un 4 étoiles hein, évidemment hein, ça vous le savez mais franchement pour dormir c'est le top le frigo évidemment si vous en servez et je trouve ça bien si vous êtes là pour une nuit vous n'avez pas besoin de mettre le frigo en route enfin, vous faites comme vous voulez ce qui est bien c'est que vous faites comme vous voulez vous avez les bouteilles d'eau en verre ça c'est très très bien vous avez aussi des chaussures voilà donc le frigo une grande penderie avec un grand miroir un super grand miroir voilà pour vous je regardais s'il y avait le coffre non il n'y a pas de coffre mais il n'y a pas de voleur ici la salle de bain est sur la droite donc je ne vais pas marcher sur la serviette vous avez un évier ici un super miroir c'est très propre c'est nickel voilà le WC et là vous avez le coin douche évidemment avec ces casiers au fond là c'est super ça pour mettre vos shampoings et tout là aussi c'est grand c'est super voilà rien à dire sur l'hôtel donc je prends souvent et très souvent celui-là parce que question qualité prix c'est le top je suis pas là pour vous ruiner un hôtel ça ne sert à rien puisqu'on est là juste pour dormir donc là ça suffit pour le séjour à Pimaï voilà regardez la vue le matin évidemment donc question bruit on est loin de la route vous aurez pas de bruit vous aurez surtout les pêcheurs le matin de bonne heure ici et les magasins sont juste derrière et Pimaï est juste derrière donc pour les visiter tout c'est super voilà mes amis je vous montrerai l'hôtel de l'extérieur donc avec Eritreland ça sera ici.